Merci de nous être fidèles chaque samedi. Je sais que certains d'entre vous ont refusé de partir en vacances de peur de manquer une de nos émissions. Et ça, ça me touche beaucoup. Merci, maman. Remarquez, c'est une attitude que je comprends parce que perso, j'adore regarder les programmes d'été. Secret Story. Rien que pour ça, j'annule tout. Bertrand, tu penses avoir découvert le secret de Michel ? Oui, en effet, je pense que Michel est un nain. Comment en es-tu arrivé à cette conclusion ? Je me suis dit, il m'arrive au nombril. Quand il court dans le gazon, il rigole parce que ça le chatouille sous les bras. Je pense que c'est un nain. Nous allons passer à la confrontation. Michel, tu peux entrer. Michel, Bertrand pense avoir découvert ton secret. Il dit que tu es un nain. Non mais si, Michel, t'es nul au basket. Quand t'es à côté de nous, on dirait que t'es loin, t'es un nain. Oui, les secrets sont de plus en plus ridicules. Hein. Cette année, on a quand même eu... J'ai le QI d'Einstein. Bah bien sûr, hein, le candidat le QI d'Einstein, et comme il est supérieurement intelligent, il s'inscrit à Secret Story. À mon avis, son vrai secret, c'est « Je suis un gros mytho ». Non mais on a eu des secrets fabuleux cette année. Hein. On a eu... un autre secret, c'était « Je suis encore vierge ». Ça, à la limite, dans la télé-réalité, c'est vrai que c'est surprenant. J'étais candidat à la mairie de Marseille. Si c'est ça ton secret... Si personne ne sait que t'as été candidat, moi je dis que c'est peut-être pour ça que t'as pas été élu. Mais bon, je te dis ça. Et le meilleur, c'était « Je suis Miss France, mais personne ne va me reconnaître ». Ça, c'était la grande idée de Secret Story cette année. Ils avaient tout prévu. Hein. Bon, alors tu vas voir, on te donne un nouveau nom et on te relook complètement. Le nouveau nom, c'était Rosa. Sauf qu'on n'avait pas dit à Miss France qu'elle devait s'en servir. Donc quand elle se présentait, elle disait « Bonjour, Rachel !» Et le relooking extrême qui la rendait méconnaissable, c'était une paire de lunettes. Bonjour, qui suis-je? Vous savez pas, vous êtes perdu, hein? Eh non, c'était moi, Jean-Luc Lemoyne. Ils sont forts à Secret Story. Hein. Il n'y a que eux et Superman pour croire qu'une paire de lunettes blanches, ça suffit pour préserver une identité secrète. Cet été également, on devrait avoir une émission exceptionnelle sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue avec Gilbert Montagnier. Du coup, la production a fait des économies puisque l'émission a été... J'ai encore rien dit. Non mais la production a fait des économies puisque l'émission a été tournée en studio à la Plaine Saint-Denis. Gilbert, nous sommes en Patagonie et devant toi, il y a un troupeau de bisons en liberté qui court sous une aurore boréale rouge pivoine. C'est magnifique. Oh, c'est impressionnant, on dirait un petit peu le RER. Au rayon sport aussi, bonne nouvelle, l'équipe de France ne perdra pas de match cet été, car elle ne jouera pas. Par contre, Raymond Domenech nous promet des surprises à partir de septembre. Sur France 3, comme chaque année, Interville, le jeu avec des vachettes partout et des mecs qui essaient de les attraper. En fait, c'est le même concept que l'île de la tentation. Si. Mais vous l'avez pas vu ou quoi? Non mais moi ça me manque, l'île de la tentation, car oui, la mauvaise nouvelle de l'été, c'est l'arrêt de l'île de la tentation. Ils sont fous dans le public. Non mais ça m'a foutu un coup, j'adorais cette émission. Ils arrivaient tous avec le même motif, prouver leur amour et montrer que les sentiments étaient plus forts que tout. C'est logique. Moi quand je veux prouver à ma compagne que je l'aime, je l'emmène dans une boîte à partouze. Non mais attendez, c'était toujours le même rituel. Le mec arrivait, ah oui on s'aime, c'est la femme de ma vie. On les séparait, tu vas me manquer tu sais, hein. N'oublie pas, je plus tu égale nous. Il arrivait sur l'île des tentatrices avec les autres candidates. J'ai les boules, elle va me manquer, tu sais, on n'a jamais été séparés plus de... Oh putain, regarde ça là, comme elle est bonne. 12 secondes. Grâce à TF1, on sait que l'amour dure 12 secondes. Non, mais j'adore vraiment les programmes d'été.
D'ailleurs, c'est décidé, hein, l'année prochaine, je m'inscris à Secret Story. J'ai déjà une idée. L'intitulé, ce sera « Il y a mon nom dans le titre de l'émission et pourtant je ne l'anime pas tout seul. » Ils trouveront jamais. Vous, comme vous êtes là, je vous livre mon secret. Julie Reynaud. Plaisir. Ça flash quand tu arrives. Merci Jean-Louis. Alors Julie, qu'est-ce qui nous attend ce soir dans notre émission? Oh bah, beaucoup de très très belles choses. Mais déjà il y a toi Jean-Luc et puis ça suffit à mon bonheur. Ah, c'est bien qu'il y ait autre chose quand même aussi, hein, comme notre panel représentatif, je ne sais pas trop de quoi, mais en revanche, ce que je sais, c'est que grâce à eux, nos invités vont être confrontés à des questions qu'on ne leur avait jamais posées avant, ça c'est sûr. Il y aura aussi de grands moments de fou rire et surtout le plaisir pour nous deux de partager cette soirée avec vous, avec le public et avec nos invités. Et ce soir, nos invités, sachez que nous recevons Nathalie Kosciusko-Morizet, Geneviève de Fontenay, et Jean-Marc Morandini. Mais pour commencer, en 97, elle nous chantait « Je t'aime ». On se calme, c'est pas à vous que je parlais. 12 ans plus tard, j'espère qu'elle n'a pas envie de nous chanter « Je peux plus te saquer, je demande le divorce ». Parce que nous, on l'aime toujours, veuillez faire un triomphe à Lara Fabian. Je vous rappelle qu'on enregistre toujours en direct du Parc des Princes. Et comment on fait pour les arrêter, Lara? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont contents de vous voir. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas mal. Moi aussi. C'est réciproque. C'est du genre à vous suivre sur les tournées partout, ça, et ils doivent être contents parce que... Il y a quelques visages que je connais bien, quelques prénoms aussi que j'ai appris à connaître. C'est vrai, ce sont des gens qui m'accompagnent souvent. Et qui vont être là sur la tournée parce que... Peut-être. Et notamment le 7 octobre au Zénith, vous serez là. Je pense que ça va être impossible à animer, cette émission. Non, mais si, vous allez voir. Là, c'est un stade de foot, en fait, c'est très bizarre. Très enthousiaste et comme ça très chaleureux mais hyper respectueux. Voilà, j'ai un public très respectueux. J'espère aussi que vous ferez le même accueil à Geneviève de Fontenay tout à l'heure. Alors Lara, vous venez nous présenter votre nouvel album. Oui. Alors, je sais pas, TLFM. TLFM, toutes les femmes en moi. Toutes les femmes en moi. Ça fait du monde. Oui, il y en a quelques-unes, oui, c'est vrai. Et donc c'est un album de... Il y a une chanson originale, Toutes les femmes en moi, et sinon c'est des reprises, je crois que... Des années 50 aux années 90, à peu près. C'est ça, et je crois que c'est... vous avez choisi uniquement des chansons qui étaient importantes pour vous. Et des femmes qui l'étaient, tout oui, autant, plus, oui, à la fois... D'ailleurs, peut-être un peu plus les interprètes qu'uniquement leur répertoire, ce qu'elles ont représenté dans ma vie, à quel moment elles ont traversé ce chemin que j'ai fait, et pourquoi elles ont été si importantes. Et d'ailleurs, dans le livret, vous leur écrivez une lettre. À chacune. C'est pas gentil, ça, d'ailleurs, parce que moi, j'ai essayé de chanter les chansons. Et en fait, je me suis aperçu que c'était des lettres et je n'arrivais pas à suivre du tout. Ça me fait beaucoup de peine. J'étais ridicule pendant 2 heures. Non, pas du tout. Si. Non, vous n'êtes jamais ridicule. J'aime beaucoup celle où... Lara, il se passe un truc énorme entre nous, j'ai l'impression. J'aime beaucoup celle où vous écrivez à Nana Mouskouri, parce que vous racontez cette rencontre qui est presque un passage de flambeau, on a l'impression. Mais j'étais toute petite et c'est vrai qu'on n'oublie pas des moments qui nous marquent durant l'enfance. Et quand on a de véritables moments d'étoiles comme ça, et ben ça nous permet de traîner des casseroles un peu moins lourdes. Moi, je pense que quand il y a eu des moments un peu difficiles dans ma vie, ces femmes ont été plus que des lanternes. Elles ont été les porteuses, finalement, d'une part de ce rêve que je
tranquillement, je réalise jour après jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nana? Parce que c'est vrai que l'anecdote est belle. J'avais 8 ans et c'était la première fois que mes parents m'emmenaient au spectacle au Beaux-Arts à Bruxelles. Maman m'avait permis d'acheter un petit bouquet de fleurs pour lui donner. Et je me suis engagée au pire moment. En fait, elle avait recommencé sa chanson déjà et elle voit cette petite fille, en l'occurrence moi, perdue dans l'allée. Elle interrompt sa chanson, elle met la poursuite sur moi, elle me fait monter sur scène. Elle arrête tout donc. Ah oui? Oui, elle arrête carrément le spectacle et elle me fait monter sur scène, elle me colle un petit bisou, elle prend mon bouquet et je sais plus comment je suis revenue à ma place. Je pense que j'ai dû être ou téléportée ou bien je faisais de la lévitation. C'était assez troublant ce qui s'est produit et dans ma tête d'enfant et puis plus tard dans ma tête de femme. Je me souviens encore aujourd'hui de la robe que je portais, des couleurs, de la couleur de mes chaussures. Voilà. Et quelques années plus tard, c'est cette petite fille qui se retrouve sur scène avec devant. Aussi. On est en calme. Ça risque de recommencer. Je vous préviens, on va sortir les lances incendies, on va vous calmer tout de suite. Il faut savoir que Nana est vraiment un monument. C'est-à-dire, cette femme a vendu 430 millions d'albums à travers le monde sur une carrière d'une quarantaine d'années et elle a fini en apothéose chez elle à Athènes, à l'Hérodaticus, devant un public absolument sublime en chantant en 6 langues différentes ce soir-là. Quoi. C'est quelqu'un. Une leçon. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, Lara, mais la coutume, c'est que vous répondiez. Oui. Vous répondiez aux questions de notre panel représentatif de pas grand-chose, mais en tout cas, il est là. Êtes-vous prête à lui répondre? Allez, c'est parti. Le panel pour Lara. Alors, oui, vous pouvez. Ce que je vous demanderais juste, c'est vous vous présentez vite fait, et puis après, vous pouvez poser votre question à Lara. Oui, bonsoir, Irène Kelakis, femme 50 ans. Je chante aussi moi-même, mais seulement pour les occasions tristes de ma famille. Bonsoir Lara, je voulais savoir, vous avez dit que souvent on vous compare Céline Dion évidemment, et qu'on vous pose la question, est-ce que vous l'êtes ennemie, est-ce que vous l'êtes rivale, et toujours vous dites non, pas du tout. Non. Et vous dites, les chanteuses à voix aiment les chanteuses à voix. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez par exemple Carla Bruni, elle aime beaucoup Mylène Farmer, ou Vincent Delerme, il aime beaucoup Étienne Dao. Irène, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, chanteuse à voix, j'ai bien été obligée à un moment donné d'adopter l'expression. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est quand même le seul pays au monde où on a ce qualificatif. Oui, c'est ça, parce que non, ça, mais, une chanteuse sans voix, qu'est-ce que c'est? C'est comme un cycliste sans vélo, c'est par ça, exemple. À peu près. Voilà, ou bien une île sans eau autour. Par exemple. On revient à la photo de tout à l'heure. Oui, ou bien un acteur sans rôle. En fait, je trouve que chanteur à voix ou chanteuse à voix, c'est un pléonasme terrible et que ça veut rien dire. En revanche, je pense que ce que les gens voulaient dire, c'était chanteurs qui couvrent un certain spectre vocal, qui ont certaines aptitudes. Et souvent, je trouve que cette connotation, malheureusement, est une connotation qui est devenue étrangement négative. Un peu péjorative. Alors qu'en fait, un chanteur sans voix, quelle que soit sa tessiture ou le nombre de notes qu'il est capable de chanter, c'est pas un chanteur. Qu'on s'appelle Carla Bruni, Mylène Farmer, Céline Dion, Maria Carey, Olivia Ruiz ou Camille, on est toutes des chanteuses ou des interprètes aussi, c'est et des auteurs. C'est plus péjoratif d'ailleurs, étonnamment, chez les femmes que chez les hommes. Oui, on leur reproche pas beaucoup aux hommes. Ah, Pascal Jeuny, on lui a jamais dit, et je peux vous dire, à mon avis, qui se serait pris une pêche, on lui a jamais dit vous êtes un chanteur à voix. Non, mais c'est de dire pourquoi ce qualificatif et pourquoi est-il péjoratif et en quoi est-ce qu'un chanteur doit être à voix ou sans voix. Vous avez cristallisé un petit peu toutes ces rancœurs contre ces chanteuses-là. Ça a été violent pour vous à ce moment-là. Oui, je pense qu'ils ont fait de moi un exemple. Oui. Vous avez analysé pourquoi c'est tombé sur vous. J'ai réfléchi. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand c'est récurrent comme ça et c'est vraiment, ça devient du harcèlement sans modération, avec une cruauté affichée, on comprend pas. Et puis, vous savez, d'un autre côté, je me suis dit, bon, chanteuse à voix, ma foi, vaut mieux ça que chanteuse sans voix, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, alors je vais le prendre comme ça. Mime, c'est très sympa. Peut-être, voilà. Et puis pour toutes ces personnes qui ont l'impression que c'est connoté de façon négative, moi je peux vous dire qu'il y en a des millions qui pensent que c'est connoté de façon très positive. Et ce sont ceux qui viennent me voir au spectacle, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui achètent des albums. Alors voilà, je pense qu'il faut tracer sa route et arrêter de s'arrêter. Voilà. Et sur la comparaison dont parlait Irène avec Céline. Mais c'est une des femmes que je mets à l'honneur, à laquelle je
j'envoie une lettre d'amour pure et simplement sur cet album. C'est une femme que je rechante. C'est une femme qui a bercé mon adolescence. Ça, c'est pas sympa de dire que vous êtes beaucoup plus jeune qu'elle. Pas du tout. On était presque. Céline a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de plus que moi. Je crois, moi, j'ai 39 ans. Elle doit avoir 41, 42, je ne sais pas exactement. Mais effectivement, on est à peu près du même âge. Et moi, j'aimais cette jeune femme. Je regardais sa persévérance, sa volonté, ce qui brillait dans son regard. Et puis cette voix. Vous avez souffert de cette fausse rivalité qu'on a montée autour de lui. Oui, c'est sûr, on a monté ça en épingle. Voilà, moi j'ai souffert de la fausse guerre, si vous voulez, parce que je pouvais jamais dire. Ah, mais c'est comme Florent Pagny et Patrick Bruel à un moment, il fallait toujours opposer les deux personnes. Mais là, vous lui envoyez un message. Est-ce qu'elle en a eu connaissance dans le livret, et est-ce que vous a répondu? Alors, pas encore. Elle ne m'a pas répondu. Plein d'autres femmes l'ont fait, ou des ayants droit l'ont fait. Elle, pas encore. Parce qu'en fait, j'ai su que la lettre n'était pas arrivée au bon endroit. Donc voilà, ça fera l'objet d'un second envoi. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va me répondre, parce qu'il n'y a pas plus disponible et plus généreux et plus normal que cette fille. Voilà. Donc cette fausse guerre, c'est en ça qu'elle m'a heurtée. Parce qu'elle était totalement injustifiée et surtout non fondée, quoi. D'accord. Alors, monsieur. Oui, bonsoir, Lara Fabian, Barnabé Bonheur, je suis gardien de nuit dans une déchetterie. Je suis également recordman du monde de célibat. Lara, vous avez dit dans un portrait chinois que si vous étiez un vêtement, vous seriez un pyjama d'homme en coton. Donc je voulais savoir, est-ce que je pourrais vous essayer pour savoir si vous êtes ma taille? Ils sont jaloux. Pyjama, ça se porte? Oui, ça se porte. Il fait un peu peur, le monsieur. Oui, il fait un peu peur. J'aurais pas être dans une ruelle avec lui, mais bon. Comme on dit au Québec, on va se garder un peu de gêne. Ça veut dire quoi? On va se garder un peu de gêne. Ça veut dire distance. Voilà, on va se garder un peu de gêne quand même. On dit ça comme ça. Mais je pourrais vous le prêter si vous voulez. Ah, ce serait gentil. Ce pyjama, je le. Voilà. Mais à propos de, il est bleu ciel avec des nounours, hein, quand même. C'est pas très. C'est pas grave, j'adore. C'est pas très masculin non plus. C'est pas très sexy, non, quand même. Non, c'est. Oh, ceci, ça casse un petit peu le côté glamour. Mais faut l'enlever. Je vais pas tenir l'émission comme ça, là, je vous préviens. Il va falloir arrêter un moment. Si, faut l'enlever. J'ai remarqué, à propos de pyjama d'homme, il paraît que vous allez c'est vrai, cette histoire, vous allez vous travestir dans une comédie musicale? Alors, il est question de cette comédie musicale, oui, absolument. Après, entre les désirs d'un artiste et les volontés d'un producteur, et puis surtout les possibilités d'un producteur, il y a toujours un petit pont-levis. On parle de Victor Victoria, donc le rôle qui a été campé par Julie Andrews pendant des années et des années. Et il y a une adaptation en français qui est en train de s'écrire. Alors voilà, je vais lire l'adaptation, on va voir. C'est un vrai désir de ma part, en tout cas, que de prendre ce risque. Le film avait été oscarisé pour la musique, etc. J'aimerais bien monter sur les planches et faire autre chose que simplement chanter, pouvoir danser. En fait, faire ce qu'un artiste complet, au sens peut-être un peu plus anglo-saxon du terme, fait. Ah, on a hâte de voir ça. Puis aussi, une dernière question, peut-être. J'ai rien fait. Je suis sûr que dès que j'ai le dos tourné ou quand je me penche dans mes fiches, tu les excites un petit peu, tu dis allez-y. C'est pas possible qu'ils réagissent autant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mec qui ait pris un Lexomil sur le coin du panel? Qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur, vous allez bien? Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, je le vois comme ça. Bon, on va le laisser pour l'instant sécher. Qui a une question pour Lara? Donc, bonsoir Lara. Bonsoir. Moi, je m'appelle Benoît, Ben, et je suis éducateur, éduque. Et quand vous avez chanté avec Johnny Hallyday au Stade de France, il vous a dit « t'es moi en femme ». Quel compliment. Moi, je suis désolé, mais je le trouve carrément moins belle que vous. Et à votre place, j'aurais été super vexé. Donc, quand on vous voit chanter ensemble tous les deux, on a l'impression que vous allez vous taper dessus. Donc, je voudrais savoir si ça a été le cas ce soir-là ou si cette histoire s'est bien terminée. Ça s'est très, très bien terminé. Très, très bien. Bien au contraire. Il est magnifique, Johnny. Oui, il est magnifique. Tu vas te calmer, t'as pas de micro. C'est n'importe quoi, en fait. C'est un marché ici. Et Johnny, alors c'est un bon souvenir. Oui. C'est votre plus beau souvenir de scène, ça? C'est un des plus beaux souvenirs de scène. C'est surtout un des souvenirs les plus magnétiques. Être face à cet homme, c'est. Enfin, en soi, au moment où ça se produit, je vous jure, on gagne 5 ans d'expérience. C'est exceptionnel ce qu'il donne. D'abord, il est d'une générosité incroyable. Même si de temps en temps, il a l'air d'être en plein duel comme ça quand il chante avec un homme, il n'est pas du tout comme ça quand il chante avec une femme. Et ce soir-là, j'ai vu à quel point il pouvait me porter, puis il a vu que je faisais de l'huile. J'avais une trouille. Et puis quand on se retrouve devant 80 000 têtes,
face à ces gens-là et avec un mec comme ça, ben moi j'ai volé pendant 4 minutes vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vrai que qu'il l'a dit, c'est probablement le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais quand même, c'est à cette époque-là aussi, là on parlait tout à l'heure des gens qui avaient un peu, qui vous avaient un peu cherché sur votre... Enfin, votre réputation de chanteuse à voix, mais oui. Aussi on vous reprochait votre côté démonstratif sur scène. J'ai l'impression que vous êtes vraiment adouci, vous êtes beaucoup plus sobre maintenant quand vous chantez. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou c'est une évolution naturelle? Mais je pense qu'on est beaucoup moins dans l'urgence quand on vieillit un peu, quand on s'apaise, qu'on a une famille, qu'on trouve quelque chose qui est une vraie... comment dire un vrai repère, voilà. Et c'est vrai que quand j'avais 25-26 ans, c'est vrai que j'étais souvent au bout de mes bras comme ça et que je chantais un peu avec, comme si... Oui, limite, on avait l'impression que ça pouvait imploser à un moment quand même. Peut-être. Non, mais, peut-être. Non, mais c'est vrai. Mais c'était, non, mais on comprend la caricature des Guignols qui était très violente. C'était très impressionnant. Mais celle-là, elle était violente. Enfin, en même temps, avec les yeux exorbités. Ouais. Le vert, ça vous faisait rire ou pas du tout? Il y en avait qui étaient vraiment méchantes, mais il y en avait qui étaient drôles. Moi, je me souviens d'une en particulier où je suis dans la montagne et je chante « Je t'aime ». Il y a la montagne qui fait « Ta gueule !» et franchement, ça me fait rire, parce que ça, c'est pas méchant. C'est rempli d'autodérision. Moi, je suis belge d'origine. Et chez nous, on peut vraiment... Ouais, on sait rire, comme on dit, on sait rire de nous-mêmes. Voilà. Exactement. Et si on peut pas rire de soi, comme disait ma grand-mère, on peut rire de rien. Alors oui, il y a des trucs qui font mal. Et puis, il faut le dépasser. Quand c'est cruel, je vous cache pas, Julie, qu'il y en a eu qui étaient hyper cruels et qu'on reste scotché dans son fauteuil et qu'on peut rien faire. C'est vrai. Mais bon, voilà. C'est la nature du jeu, il faut l'accepter. Ah, en fait, ça marche avec tout le monde. Calmez-vous, Garou ne va pas rentrer. C'est juste la complainte de Garou. Je suis blonde, je viens d'allumer ma lumière juste maintenant. Non, mais je pense que c'est la complainte de Garou. Garou regarde l'émission en coulisses à chaque fois. Et au bout d'un moment, il trouve que ça fait trop longtemps que vous êtes seule sur le plateau. Oui. Donc il est temps d'accueillir notre invitée suivante. Notre prochaine invitée, c'est une femme bio. Elle est élevée au bon grain de la politique. Et même si elle fait partie de l'UMP, elle est garantie sans conservateur. Veuillez accueillir, mesdemoiselles, messieurs, l'électron libre du gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, deux musiciennes sur le plateau. Hein. Oui, il paraît que vous avez appris la harpe. Oui, mais alors là, ça ne souffre pas la comparaison, si vous voulez. C'est vrai. Tout de suite. C'était en amateur. Ça refroidit un peu. Oui, vraiment. On n'avait pas besoin d'une harpiste sur la tournée, parce que à la harpe NKM, ça me fait bien. Vous avancez beaucoup, beaucoup. C'est vrai, à ce point-là. Non, c'était juste, vous avez arrêté ou vous jouez encore d'un instrument? Je joue un peu de violoncelle en ce moment, en fait. Justement, c'est une surprise. Mais... Non, non, je plaisante. Non. C'est un peu violent comme entrée parce que... La lueur de frayeur dans vos yeux, t'es pas mal. C'est ça. Non, non, rassurez-vous, il n'y a pas ce genre de surprise. Par contre, on a un petit défi pour Lara. On voulait que vous chantiez une chanson pour le bébé de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui. Mais on se dit que ce qui serait amusant, c'est que vous chantiez, justement, très doucement, une chanson sur laquelle vous pourriez, comme on dit vulgairement, envoyer le bois. Oui. Cette chanson, déjà, on va l'écouter une première fois. C'est, vous avez fait un duo avec lui. C'était pas cette chanson, mais la chanson, c'est Allumer le feu. Le problème, c'est que je pense que si on leur lance la danse des canards, ils vont chanter aussi, donc c'est impossible. Donc, je vous donne ça, et si vous pouvez mettre de la douceur là-dedans, il y a les paroles au prompteur, allez-y. Allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Ça peut faire un tube. Ça peut faire un tube. C'est hyper, hyper, hyper.
c'est bon. Tu sais quoi, c'est hyper flippant. Non mais vous rigolez, mais c'est hyper flippant. Alors, c'est hyper flippant. Pour juger votre prestation, moi je suis pas juge. Hein. Je pense que c'est votre bébé. Est-ce qu'il a réagi? C'était lui qui était concerné. Écoutez, c'est un peu intime, mais oui, là, il bouge en ce moment. Donc oui, il a l'air d'avoir l'aider. J'imagine avec le... Parce que vous ne pouvez pas bien comprendre. Si, si, parce que j'ai eu un enfant récemment. C'est pas c'est vous, quand même. Oui, c'est ça. Vous avez rasé la barbe depuis. Exactement, ouais. C'est ça. Alors, autre défi, Lara, parce que là, ce serait trop simple si on s'arrêtait là. Est-ce que cette fois, vous pouvez mettre la puissance sur une chanson qui s'y prête moins? On va l'écouter tout de suite. Autant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? C'est bon? C'est bon. Ah, ils sont plus calmes là, hein, tout de suite. Alors, Lara, est-ce que c'est possible de mettre de la puissance là-dessus? Franchement, ouais. Franchement, non. C'est-à-dire, oui, mais ça l'a dénaturé complètement. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est d'abord, c'est une magnifique chanson. Et c'est un album que moi, j'ai acheté plusieurs fois pour l'offrir. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, vous l'avez pas gardé pour vous, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais... Non, franchement, alors ça, c'est, ça serait pas très juste, mais... On essaye quand même. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. Je trouve pas que ce c'est soit bien, c'est bien, si, bravo, merci. Merci beaucoup. Il y a un thème qui va rien. Je vous rends ça. Ah non, non, parce que j'ai une dernière épreuve. D'accord. Il y a un terme qui va rien vouloir dire pour vous, mais quand on chante en belt, c'est-à-dire qu'on chante en utilisant toute la colonne d'en bas. Mais c'est grave, ça? Non, non, ça se gère très bien en général. Mais le beltage, c'est ça, c'est chanter en puissance. Il y a des chansons, ça marche pas du tout, quoi. C'est comme si on chantait l'hymne à l'amour sans y mettre l'âme et le cœur, sans y mettre toute la. Je l'ai vu à la Star Academy, ça. Vous savez pas ce que j'ai vu, vous savez pas ce que j'ai enduré. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Non, mais oui, mais enfin, en même temps, voilà, il faut pouvoir apprendre. C'est pas facile ce qu'ils faisaient ces gosses. Ils devaient grandir devant les caméras, quand même. Non. C'est vrai. Non, c'est complètement. Vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est très difficile. Non, mais c'est vrai. C'est super dur. C'est dur. Alors c'est quoi? Je dis oui. J'en pense pas un mot, mais je dis oui parce que j'ai envie d'être agréable. C'est quoi l'autre défi? Alors l'autre défi. C'est que vous avez dit une fois qu'une de vos plus grandes émotions, c'est quand, en arrivant sur scène, vous avez vu que dans le public, ils avaient, je crois, les paroles de « Je t'aime ». Les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes, exactement. Le 13 août 2001, 6000 personnes avaient réécrit le texte de « Je t'aime » et avant que je puisse commencer à l'entonner... C'était pas vexant qui pense que vous connaissiez plus les paroles. Mais... effectivement, c'était dingue. Les mecs, ils se sont arrangés avec mon chef à l'époque pour pouvoir commencer la chanson une mesure avant moi. Et ils sont partis, 6000 personnes, sur la réécriture, donc une lettre d'amour qui m'était destinée, de « Je t'aime ». Là, j'étais vraiment à genoux, je dois dire. Ouais. Et ben, comme on sait que vous aimez donner de l'émotion, on se dit que ça serait trop simple de vous faire chanter « Je t'aime ». Donc, on voulait savoir, c'est un défi un peu difficile, si vous l'acceptez, c'est de chanter « Je t'aime » et donner de l'émotion. C'est les paroles normales. Sauf qu'on a enlevé les consonnes. Voilà, alors regardez le prompteur, ça ressemble un petit peu à un test d'opticien, je vous l'accorde. Et en fait, c'est les paroles de « Je t'aime », on a enlevé toutes les consonnes. Lara, est-ce que vous vous sentez prête pour relever ce challenge? Non mais là, je vais avoir un problème de langage évident. Non, c'est facile, c'est « E-M, O-A, O, O-A, O-A ». O-E-A-E-I-A-A. Oui, je vous sens bien parti, je me sens bien parti. Je voudrais quand même dire à tout le monde que je suis blonde, donc d'emblée, excusez. Non, ne le prenez pas mal. Ça commence l'accueil, mais je suis désolée. Il y a des hommes qui font ce commentaire. Je suis une blonde bio, moi aussi, donc je suis excusée. Je vais essayer. Hein, allez, on essaye. Hein, et si jamais ça vous tente, allez-y. Alors, qu'est-ce qui est plus confortable pour vous, Lara, avec la musique ou a cappella? Oui, non, avec la musique. Ok. C'est ça, oui, on y va. On y va. Okay.
c'est impressionnant. Il y a l'émotion, alors. Complètement, parce que c'est vachement dur sans les consonnes. Ah, c'est très très dur. Ouais, je veux dire, moi je trouve ça horriblement dur avec les consonnes. Sans les consonnes. Je vais quand même vous confier un truc. Ça m'est quand même arrivé quelques fois dans ma vie d'avoir ce qu'on appelle le trou noir pendant que je chante. Et ce que je fais à ce moment-là ressemble à peu près. C'est vrai. Sur scène, chanter comme ça, une espèce de yaourt. Ça m'est quand même arrivé sur la différence, un trou, mais un trou, un truc dont je ne me sortais pas. Ce qui est génial avec votre public, c'est que normalement, ils reprennent sur un trou. Oui, parce que les chanteurs vrai. Qui sont à votre niveau, en général, quand ils ont un trou, ils font... Non, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est vrai. Très intéressant, ça, comme des films. Ouais. C'est vrai, c'est Nathalie, ça. Vous aimez la variété ou vous êtes, c'est le classique, une j'aime classique. Surtout la variété. Vous allez en concert ou... En concert, malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps, mais j'en écoute beaucoup. J'en ai sur mon iPod, j'aime beaucoup, je suis prêt, ouais. Moi, j'aime bien quand il y a du sentiment dans la musique. Alors, on peut mettre du sentiment dans la musique classique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus immédiat dans la variété, c'est plus facile d'une certaine manière. Et puis, il y a de l'énergie en plus que du sentiment, enfin bon. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, quand même, reprécisons, moi je préfère le lire parce que c'est quand même assez compliqué. Secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique depuis 2009. Les titres ministériels, c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est ça, c'est quand même très long. Comment on pourrait le résumer très simplement ? En l'occurrence, moi, j'ai deux casquettes différentes. Donc, c'est assez difficile de faire simple parce que j'ai vraiment une casquette prospective qui consiste à éclairer les choix de l'avenir et une casquette économie numérique. À vrai dire, moi, plutôt qu'économie numérique, j'aurais préféré qu'on parle dans mon titre de société numérique. Parce que, bon, évidemment, il y a des partenaires, il y a des emplois, il y a de la croissance dans l'économie numérique, mais il y a aussi tout ce que ça change dans notre vie. Dans les relations entre les personnes, les réseaux sociaux, c'est pas seulement de l'économie, c'est aussi une matière humaine qui est transformée, qui s'en trouve profondément modifiée. Donc je me considère plutôt comme secrétaire d'État à la société numérique. Si. Vous avez réussi à faire de ce qui était au départ une punition, puisqu'on vous a enlevé ce dada qui était l'écologie et vous a donné que c'est ça. Une punition. Mais ça, c'est devenu une espèce. On va nous dire que non, mais ça devait l'être un peu, parce que l'écologie, c'est quand même ce que vous avez. C'est quelque chose de fort et non, de vrai, et c'est dire, comme ça. Je vais vous dire franchement, ça fait 15 ans que je m'occupe d'écologie. Je faisais de l'écologie avant de faire de la politique, en fait. Pour moi, ça a toujours été une passion. J'étais écolo, je suis écolo, je serai toujours écolo. Et d'une certaine manière, oui, forcément, s'éloigner un peu du sujet, c'est le vivre un peu comme un exil. En même temps, quand on fait de la politique, on a vocation à s'occuper de tout. Moi, je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, que vous connaissez bien. Je connais très bien la ville de Longjumeau, puisque j'étais au lycée de Longjumeau et j'ai fait ma première scène. On a récupéré les bulletins scolaires. Vous avez été pion même là-bas dans les écoles. Comment vous savez que j'étais pion au lycée Jacques Prévert ? Vous êtes dans les rôles, enfin, on le sait. Bon, bah d'accord. La mairie est bien gérée, est bien administrée, et on sait qui y a bossé. Oui, non, j'ai commencé là-bas, donc c'est vrai que je suis très fier de recevoir le maire de Longjumeau. Eh bien, j'y étais dans. Il y a certainement quand même, vous avez certainement trouvé un intérêt, mais par exemple, au dernier remaniement qu'il y a eu, vous espériez peut-être changer encore, vous êtes contente avec non, ça. Comprenez-moi, j'ai un sujet formidable et j'ai l'impression en fait de prolonger mon sujet. Le président de la République, dans son discours au Congrès, parlait de la révolution écologique et de la révolution numérique. J'ai l'impression de m'occuper de l'avenir, je me suis beaucoup occupée d'écologie, je continue à m'y intéresser beaucoup, je m'occupe maintenant de numérique, j'ai les deux piliers de l'avenir c'est vrai. Et en plus la prospective. Donc c'est un sujet formidable. Maintenant, la politique, c'est de savoir aussi bouger et alors s'intéresser. Qu'est-ce qui aurait été une c'est vraie punition que de ville. Moi, dans ma ville, j'essaie d'avoir une politique exemplaire en matière de développement durable. Par exemple, maintenant, on a l'alimentation bio dans les cantines. Voilà, les enfants que vous gardez longtemps, ah, non, ils ont l'alimentation. Vous, oui, parce que vous faisiez pointeur à l'entrée de la cantine à une époque. C'est pas bien de balancer. parce que là, au bout d'un moment, ça devient gênant. J'ai l'impression que vous connaissez toute ma vie. J'ai retrouvé votre dossier administratif, bêtement, donc vous faisiez pointeur à l'entrée de la cantine. C'est ça, exactement. Ah, mais on est fichés. Lara, maintenant, c'est bon. Elle se dit, c'est passé pour moi, donc allez, on y va. Maintenant, il y a 20% de bio dans la cantine dans laquelle vous faisiez pointeur. Alors, Nathalie, la vraie punition pour vous, ça aurait été d'avoir qu'on vous refile quel ministère. Le truc, vraiment, ça aurait été... Et déjà, est-ce que vous avez craint, avant ce remaniement ministériel, de ne plus avoir du tout de portefeuille ? Je vais vous dire, quand ça ne dépend pas de vous, il faut éviter de se stresser trop sur les choses. Il y a eu un philosophe grec, comme ça, qui s'appelait Sénèque. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ce qui dépend de nous ». Et toute la philosophie était fondée sur l'idée que quand ça ne dépend pas de nous, on va éviter d'y investir trop d'énergie parce que c'est déjà tellement dur de s'occuper de ce qui dépend de nous. Donc voilà, moi j'évite de me surmobiliser sur les choses sur lesquelles j'ai peu d'influence. Par ailleurs, de toute façon, avoir une fonction ministérielle, c'est en fait s'engager sur un sujet...
prendre une espèce de responsabilité. D'une certaine manière, il y a un moment où on s'est identifié sur un sujet. Moi, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé sur l'écologie. Il y a un moment où, quand on me parlait d'écologie, quand on prononçait le mot écologie dans la rue, je me retournais, je continuais à me retourner d'ailleurs, je continuais à me sentir très très concernée. Donc c'est de toute façon un honneur, c'est de toute façon une chance, et il n'y a pas de mauvais sujet. Après, il y a des sujets plus ou moins faciles suivant les circonstances. Vous disiez l'écologie, c'est ce qui vous a amené à la politique. Est-ce que c'était un but au départ? En fait, c'est ça, vous écrivez une note, cette note a été repérée, entre guillemets, par Jacques Chirac, et là, on vous appelle, c'est ça? L'Élysée vous appelle? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'y intéressais à une époque où ça intéressait personne. Et j'y travaillais, c'était mon boulot. Je m'occupais de travailler sur la fiscalité environnementale, sur la préparation du protocole de Kyoto, avant le protocole de Kyoto. Faut nous parler doucement, ou alors... Et puis moi, j'ai fait très peu d'études, j'étais juste pointeur. Il était pointeur à la cantine à Longjumeau. Je m'intéressais à un sujet qui s'appelle l'effet de serre. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque où je m'y intéressais, c'était les années 90, et les gens confondaient avec le trou dans la couche d'ozone, par exemple, que vous avez tous oublié, mais à l'époque, on ne parlait que de ça. Bon, c'était une époque où l'écologie, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Et dans les partis politiques, il n'y avait personne pour s'occuper du sujet. Et je trouvais ça dommage, et donc j'ai écrit des papiers que j'ai envoyés. Et puis quand même, comme ça commençait à frémir dans l'opinion sur ce sujet-là, les papiers ont été repérés. Et oui, un jour, j'ai été appelée pour participer à un déjeuner. C'était un déjeuner à l'Élysée. Et ça fait quoi? On vous appelle, on vous dit bonjour, c'est l'Élysée. Est-ce que vous voulez venir déjeuner? Ça doit être impressionnant quand même ou... Ah oui, bah ça fait de l'émotion parce que... Ça fait pas, wow, c'est rigolo, allez, merci, au revoir. Vous n'avez pas trouvé une blague la première fois? Non, parce que c'est par un intermédiaire, donc c'était validé. Mais non, ça fait de l'émotion de... Pour moi, c'était un sujet dont il était évident que c'était le sujet du 21e siècle. Et j'étais perpétuellement frustrée d'avoir l'impression que tout le monde s'en moquait. Ouais. Et de me rendre compte que ça commençait à intéresser, ça m'a fait quelque chose d'énorme. De même qu'on ne se rend pas compte maintenant, on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Bien sûr, au regard de l'urgence, ça ne va pas assez vite. Mais vous savez, quand vous venez 10 ans en arrière, vous parliez d'écologie, ça n'intéressait personne. En 10 ans, ça a terriblement changé. Il y a 10 ans, moi, je n'aurais jamais espéré que ça change aussi vite, même si on voudrait toujours que ça change plus vite. La politique, finalement, dernière question là-dessus, c'est que finalement... La politique, vous y avez pris goût, vous avez vraiment mordu à l'hameçon, à tel point que Brice Hortefeux dit de vous, je suis prêt à signer un papier disant qu'elle sera un jour candidate à la présidentielle. Alors la question, c'est est-ce que vous y pensez le matin en vous épilant? Oh, la question, c'est qu'est-ce que Brice Hortefeux... Comment tu as osé poser une question pareille en vous épilant? C'est pas sale, c'est mais non, mais pas sale. C'est tous les jours, mais tu as un problème de pilosité. Il y a un problème avec les femmes, ce garçon. Mais pas tous les jours, je suis désolé. J'ai pas dit tous les matins, j'ai bien dit sinon, le matin. C'est bien soutisme, c'est un autre problème. Nathalie, c'est vrai que vous la question, c'est qu'est-ce que Brice Hortefeux a parié? Et lui seul peut répondre. Un billet, non, il je crois qu'il a dit qu'il était prêt à mettre un billet là-dessus. Mais je sais pas combien. Un billet de combien? Bah oui. Oh. Vraiment, il faut que vous l'invitiez pour lui poser ces questions-là qui sont essentielles. Non, mais c'est vrai que quand on lit un petit peu vos interviews, vous dites régulièrement, j'ai voulu rentrer dans la place parce que c'est en étant élu qu'on fait avancer les choses et tout. Et c'est vrai que la suite logique, peut-être, un jour, c'est la présidentielle. Je veux dire, moi, j'ai voulu faire de la politique parce que j'ai l'impression qu'on est dans un genre de société dans laquelle... Il y a beaucoup d'indifférence et il y a beaucoup d'abandon. Je le vis notamment comme maire d'une ville. Vous rencontrez beaucoup de gens et beaucoup de gens qui viennent vous voir. Vous avez beaucoup de gens qui ont l'impression que la société les abandonne et qui du coup s'abandonnent aussi. Oui. Vous avez beaucoup de gens qui vivent dans une espèce de déprime. Enfin, on a l'impression qu'il faut compenser ça par de l'énergie, par de l'engagement. D'une certaine manière, j'ai l'impression de participer à un mouvement... De soins collectifs en quelque sorte, me soigner moi-même aussi, essayer de lutter contre cette espèce d'abandon qui traverse beaucoup les sociétés contemporaines. Pour moi, la politique sert à ça. La politique, d'accord, et alors quand vous pensez quelle échéance? 2017, 2009, quand vous y pensez à la présidentielle, vous voyez... C'est une obsession. Ouais. Vous savez, c'est marrant que ce soit vous qui posiez ces questions-là, parce que, en fait, c'est plutôt des questions pour hommes. Pourquoi? Je dis pas que les femmes y pensent pas. Justement, moi, j'ai une façon, c'est à une femme que j'ai envie de poser la question. Non, mais c'est une vision très linéaire. C'est une vision très linéaire de la vie politique et de la vie tout court, parce que c'est vachement carriériste comme regard. Pourquoi donc? Les hommes ont une vision plus construite de ce que c'est que leur avenir et l'organisation de leur vie, souvent. Moi, quand j'en entends qui prévoit des choses comme ça à horizon sur 10 ans et à dire, bon, alors j'ai prévu à 60 ans, je serai là, à 65 ans, je serai là. En politique, les hommes, ils ont vraiment, vous croyez, le plan de carrière au départ. Vous sentez la différence entre les femmes et les hommes dans leur vision, dans leur façon de faire? Ah oui, je crois que les hommes sont sur des stratégies plus construites et les femmes sur des choses plus intuitives. Pas tous, pas tous. Je vous assure qu'il y en a certains qui improvisent beaucoup parce qu'il y en a qui gèrent. Hein, et... Alors, avant d'aller plus loin... Il faut que je vous dise que votre venue était très attendue par notre panel, ils sont tous très excités. Bon, enfin, au sens figuré, hein, bien sûr. En tout cas, avant de répondre à leurs questions, une de nos panélistes, Irène,
tenez à avoir un moment privilégié avec vous pour vous rendre hommage. Acceptez-vous cette requête? Je vous en prie, alors. Alors, Irène, je crois que vous vouliez voir voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai un petit paquet. Je peux venir à côté? Mais oui, allez-y, de toute façon, vous étiez bien parti pour. Il y a quelque chose, il est tombé, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, je pose ça parce que... il faut pas regarder tout de suite, c'est les surprises après. Voilà. Chère Madame Kosciusko-Morizet. Enfin, avec votre accent, vous pourriez prononcer mon nom correctement parce qu'il vient d'un peu le même coin que vous, là. Je vais essayer. Je sais le Kosciusko. Faire. Kosciusko. Vous voulez que je vous aide, peut-être? Je sais le faire, normalement. Chère madame la ministre des téléphones portables, je suis très contente de vous voir parce que vous êtes un modèle pour moi et vous êtes un modèle pour toutes les femmes qui sont amoureuses de la nature, comme vous dites, écologistes un jour, écologistes tous les jours. Alors moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Faire Ami-Ami avec la Terre. Faisons Ami-Ami avec la Terre. Et nous avons des opérations citoyennes et commandos qui sont dans le but de privilégier l'écologie. Par exemple, nous allons nous asseoir sur des arbres quand on veut les couper. Alors, il n'y a pas très longtemps, nous sommes assis 8 personnes sur chaîne centenaire à Viltaneuse, parce que la mairie de Viltaneuse, ils voulaient couper l'arbre. Et grâce à nous, la mairie, elle ne coupe pas l'arbre. Ce n'est pas bon exemple en même temps, parce que l'arbre, il est tombé parce qu'à cause du poids, les gens dessus, il a cassé en deux. Et la dernière nouvelle, il serait décédé des suites de cette blessure. Mais ce n'est pas la mairie qui l'a coupé, c'est important. D'autre part, je sais que vous êtes très concerné par les choses de développement durable, comme vous disiez, etc. Et que vous faites, si la voiture, elle pollue, vous la changez, vous l'achetez les couches qui sont lavables. Et vous vous intéressez comment les vêtements qui sont, comment ça s'appelle déjà? Vous voyez, non, je l'oublie en déjà. Coton bio? Par exemple, coton bio. Oui, c'est le commerce équitable. Voilà, c'est le commerce équitable, le mot qui ne me revient pas. Alors moi, j'ai quelque chose de formidable que je vais vous montrer, qu'elle est 100% naturelle. Alors, voilà, c'est une chose qu'il est fait à partir de résidus d'épilation à la cire qu'on collecte chez, comment ça s'appelle, salon d'esthétique. Et au début, la matière première, il est comme ça. Hein, quand on le reçoit, il est comme ça. Mais après, il est filtré seulement la cire chaude, parce que la cire froide, il casse le poil, après, on ne peut plus le filer. Il est filtré et une fois, il est traité, il est teint, il est tout ça. Voilà, il devient comme ça, et d'ailleurs, je vais vous l'offrir avec un grand plaisir. Je vais aussi... Je ne sais pas si ça vous fait plaisir. Il me fait penser au pull du Père Noël est une ordure. C'est pareil, hein. Je ne sais pas si c'est un compliment, Irène. Et donc, ça. J'en ai toujours rêvé, parce que je suis... Ah, voilà, vous voyez, comme ça. C'est notre bonheur. Je voudrais vous demander un petit faveur. Je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour me donner le label AB que je peux rapporter à mon association et tout. Alors voilà. Un tampon sur vous. Oui, s'il vous plaît. Je pense là, il y a à peu près un petit peu de place. Sinon, je sais où il y a la place, mais j'ose pas. C'est trop étroit là. Il faut la cuisse. Oui, il faut peut-être faire un petit morceau d'un côté, un petit morceau de l'autre. Je vais être labellisée. Je peux pas vous rater, moi. J'ai peur de vous rater. Je pense que. J'en ai mis partout sur les doigts. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut apporter un... Non, tout va bien, tout va bien. Alors, attendez. C'est agriculture c'est biologique. Très hein. C'est agriculture biologique, c'est ça. Est-ce qu'on peut apporter un mouchoir pour Madame Kosciusko-Morizet? Oh, merci beaucoup. Je ne vais plus jamais laver le bras. Merci infiniment. Vous êtes satisfaite, Irène? Je suis très contente, j'ose plus bouger le bras, j'ai peur pour la tunique. Ah si, il faut partir maintenant, au bout d'un moment, il faut attendez, partir. Je vais ranger dans la boîte. Il faut partir parce qu'en plus, je crois qu'il y a d'autres gens du panel qui veulent poser des questions. Voilà, je vous laisse les petits merci paquets. Merci beaucoup. Merci Irène, à vous. Merci. Merci Irène. Bonjour Madame la Ministre, moi je suis Léa Santos, 28 ans, concierge et présidente des concierges associés, journaliste de proximité si vous préférez, plus ou moins célibataire, désolée je peux pas en dire plus, secret professionnel. Vous êtes actuellement enceinte? Toutes mes félicitations. On vous cache rien. Je voulais vous demander justement, en tant que ministre, est-ce que vous connaissiez l'identité du père de votre enfant? Écoutez, je comprends que votre vous question puissiez... est extrêmement vexante pour mon mari qui nous regarde probablement, mais qu'il prendra bien parce qu'il a bon caractère.
Mais j'imagine que vous faites allusion à Rachida Dati. Une allusion tout en finesse. Tout en finesse, tout en finesse. Et Rachida Dati donc n'est plus au Conseil des ministres. Bah, je ne crois pas, à moins que vous ayez un scoop. C'est votre ami, je crois, hein, dans le monde politique. Alors maintenant qu'elle n'est plus au Conseil des ministres, c'est qui votre nouvelle meilleure copine? Ah bah attendez, le gouvernement vient de se reformer, donc il y a des nouveaux, on va attendre un peu les découvrir. Il y a du bizutage dans l'air ou pas? Non, mais enfin, on va attendre de les découvrir, parce que vous savez bien, la société humaine, c'est comme ça. Hein, c'est possible, la vraie amitié en politique? Il y a des affinités, oui. Il y a des gens avec lesquels on s'entend mieux que d'autres, c'est bien normal. Affinité, mais amitié, c'est compliqué quand même, j'imagine. C'est quand même quelque chose de très concurrentiel, on ne peut pas tous dire. C'est très concurrentiel, mais enfin, il y a quand même des gens avec lesquels on s'entend très bien et on peut se faire confiance. Vous savez, c'est à la fois un collectif dans lequel il y a la solidarité avec tout le monde, et puis forcément, à l'intérieur du collectif, il y a des gens qui sur lesquels vous accrochez plus que d'autres. C'est comme dans n'importe quel job. Hein. Dans n'importe quel job, c'est comme ça. Je suis sûre que sur un plateau télé, c'est pareil. Hein. C'est sûr. Oui, là, on a l'impression qu'on est amis. Voilà. Voilà. Oui. Là, chez les chanteuses, il y a aussi quand même, c'est très concurrentiel aussi quand même. Très concurrentiel, et par contre, le sens du collectif, il est un peu relatif, on va dire. Et vous avez. Mais on a des amis quand même de temps en temps, non? Non. Des affinités, certainement. Enfin, moi, je sais que je me sens très proche de certaines personnes, mais Morane, après, je crois que c'est votre amie, Morane. Morane, mais c'est parce que j'avais 17 ans. Parce que vous êtes deux grandes voix. Chanteuse à voix. Arrête avec ça, arrête. 13e fois. Oui, 13e fois. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que parfois, après, il y a des égos plus ou moins gonflés, il y a des gens, voilà, vraiment, je le dis en toute humilité, moi j'en fais partie, moi j'aime les autres femmes qui ont du talent, qui chantent, qui... Moi, je regarde une belle fille qui chante bien et qui a de l'esprit, moi je la regarde pas comme on la convoite, je la regarde en me disant ça fait du bien, c'est génial. Tandis que les autres... Ça dépend, pas tout le monde, voilà. C'est qui votre amie dans le métier, votre amie chanteuse Vous savez, c'est une éducation, ça. Voilà. Moi, j'étais petite et j'ai été élevée à aimer les autres petites filles, les autres femmes. Moi aussi. Élevée pour aimer les autres petites filles. Non, mais vous savez, il y a des mamans qui élèvent... C'est votre dossier, d'ailleurs, à la mairie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire. Ce que ça veut dire quoi? J'étais pointeur. Oui, non, alors là, c'est ambigu. Ça veut dire qu'on est tous fichés, les enfants. Même un jeu d'humour. Non, il y a des mamans qui élèvent leurs enfants avec une certaine ambiguïté. Voilà, il y a une sorte de priorité, un esprit élitiste, mais au sens vraiment de l'émulation. Vous êtes quand même toutes les deux dans un métier où il y a une concurrence, où il y a forcément quelque chose. C'est sûr. Mais vous savez, on croit toujours qu'on est, entre guillemets, dans le métier le pire pour ça. Et puis en fait, quand on regarde, on se rend compte que tous les métiers sont très concurrentiels. Par exemple, vous regardez les professeurs d'université, vous regardez les chercheurs. Normalement, c'est des métiers qui sont dans l'ordre de la connaissance. En fait, c'est très, très concurrentiel entre eux. Ouais, il y a des jalousies, des aigreurs, des couvades. La médecine, c'est terrible. Entre les profs de médecine, c'est monstrueux. Les chirurgiens. C'est dingue. Entre les chirurgiens, c'est dingue. Qu'est-ce que vous y connaissez en chirurgie, Lara? On a raté un épisode. Non, mais c'est parce que j'ai quelques amis dans ce milieu-là et je sais qu'effectivement, c'est vraiment une course à la réussite. Il n'y a pas beaucoup de métiers où vous êtes peinard et où les collègues vous regardent avec un regard que bienveillant. Tout à fait. Pas vous dire le contraire. Ouais. Comme je ne te considère pas comme ma collègue. Je ne prendrais pas forcément bien le regard justement avec lequel elle vous regarde. Vous aussi, vous sentez cette agressivité qui ne se justifie pas? Non, je l'aime, j'essaye de masquer mon amour. C'est plutôt un questionnement. C'est ça. Il y a beaucoup trop de femmes sur ce plateau. Moi, je me sens minorité aujourd'hui. Toutes les femmes en ville. Une autre question. Du coup, il se tourne vers un homme pour pouvoir s'en sortir. Un peu de solidarité. Alors, regarde la solidarité. Je suis pas tout seul. Et quel homme? Bonsoir, donc je m'appelle Benoît, je suis éducateur spécialisé en self-défense. Et vous aviez un peu plus de 6 ans quand vous avez décidé un jour de devenir gauchiste, gauchère, pardon. Et depuis, vous êtes ambidextre. Et donc je voudrais que vous m'ôtiez d'un doute, vous faites bien une différence entre la gauche et la droite? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que il m'est arrivé d'être confrontée à des incompréhensions dans ma propre majorité sur ce sujet. Et je me souviens notamment à l'époque où, comme parlementaire, j'avais des doutes sur les OGM. J'avais monté une conférence de presse conjointe. Il y avait des parlementaires de droite, des parlementaires de gauche, il y avait des parlementaires verts. Et parce que voilà, je trouvais que c'était important. Et en sortant de là, je suis tombée sur un personnage à responsabilité de mon groupe politique qui m'a dit de manière très agressive...
c'est du transcourant, tu réussiras jamais, ça marche pas ces trucs là Du transcourant, là, il va falloir juste préciser un petit peu. Et bien non, justement, j'ai toujours pas compris, donc c'est pas moi qui pourrais vous expliquer. C'est cette idée qu'on supporte pas que de toute façon, même si on peut être d'accord sur rien si on fait partie de. C'est cette idée qu'il y a des sujets de droite et des sujets de gauche. C'est ça, exactement. Qui, à mon avis, est une erreur profonde dans la société contemporaine et surtout sur un sujet comme l'écologie. Ça vous crée des problèmes un petit peu à vous, parce que c'est un peu l'électron libre. Vous avez moi, je suis sur des sujets qui sont très contemporains, qui sont très modernes, qui sont les sujets de l'avenir, l'écologie, le numérique, et forcément, c'est des sujets qui bousculent dans le monde politique. C'est bien normal. Mais je le vis pas comme un problème, plutôt comme une chance. Mais sur la gauche, la droite, est-ce que vous avez le sentiment que tous les politiques que vous rencontrez sont à gauche ou à droite, par pure idéologie, ou parce qu'ils le pensent vraiment, ou parce que c'est un parcours, finalement ? C'est souvent une culture, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la conviction, et qui sont fortes, et puis parfois, il y a des choses qui sont de l'ordre de la culture. Et puis, il y a aussi des choses qui sont artificielles. Moi, par exemple, j'étais le rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement quand j'étais députée. Donc, on faisait rentrer les questions environnementales dans la Constitution, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas même le mot environnement dans la Constitution. Par exemple, on faisait rentrer le principe de précaution dans la Constitution. Bon, j'ai essayé d'obtenir un vote à l'unanimité. Vraiment, je me suis battue pour obtenir un vote à l'unanimité. Et puis, au dernier moment, on a été rattrapé par une logique politique. Et alors que l'hémicycle était assez divisé à droite comme à gauche, la gauche s'est pour l'essentiel abstenue, à l'exception notable de quelques parlementaires qui sont venus dans l'hémicycle, qui ont voté contre leurs consignes de parti, et que j'ai trouvé très courageux sur ce coup-là, parce que je sais ce que ça coûte d'être contre les consignes de son parti. Mais c'était dommage, d'une certaine manière, sur un sujet pareil, qu'on n'ait pas pu le dépasser. Et j'étais très fière, au moment de la première loi Grenelle de l'environnement, du premier vote, d'avoir réussi à dépasser ça et d'avoir un vote à la quasi-unanimité. Pour moi, c'est un objet de fierté absolument considérable. On sent que vous buvez ces paroles. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui, effectivement, a une partie de l'avenir de nos enfants dans les mains, quelque part. Et je trouve que son discours, alors même si elle fait de la politique, ça va peut-être lui paraître étrange, mais n'est pas du tout politisé, justement. C'est un discours citoyen. C'est un discours qui... Vous en faites pas. Elle m'a fait le même coup tout à l'heure. Elle a essayé de nous séduire tous. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut faire, de la politique parce qu'effectivement, ça peut faire avancer les choses, d'accord. Mais dans votre façon de parler de ces sujets que vous aimez, que vous défendez, il y a quelque chose peut-être d'un peu moins, enfin voilà, de l'ordre de la conviction, mais pas de l'appartenance politique. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir. Voilà. Alors, une dernière question peut-être pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Oh là là. Ah bah ça y est, ça fait plus d'effet. Ah si. Ça c'est Jacques Lexomil, ça. Ouais, c'est ça. Bonsoir madame. Je suis Olivier Lazzaro, testeur de médicaments au laboratoire. Vous testez quoi en ce moment pour sache qu'on peut pas. C'est secret médical, je peux pas le dire, mais ça va cartonner en tout cas. Voilà, ça marche plutôt bien pour moi. J'ai été hospitalisé 42 semaines l'année dernière. 42 semaines, c'est beaucoup quand même. Oui, mais je pourrais pas me passer de bosser. Je suis un hyperactif en fait. Ma question, quand vous étiez jeune, vous aviez le droit de regarder chez vous que des émissions politiques. En fait, pour vous, Raymond Barre, c'était Casimir. C'est ça? Non, à vrai dire, chez moi, on n'avait pas le droit de regarder beaucoup la télé. Moi, j'ai lu que les émissions politiques. Non, c'est pas vrai. On regardait des dessins animés. Donc moi, j'étais de la génération Albator, Capitaine Flamme, Candy, et tous ceux qui se reconnaîtront. De temps en temps, il y avait une émission politique. À l'époque, il y avait Georges Marchais, donc parfois, c'était assez drôle. On va recevoir Capitaine Flamme tout à l'heure. Elle est peut-être une vraie dernière question, parce que... Oui. Bonjour, Sophie Foin, 43 ans, écologiste, en prise directe avec la Terre et en dialogue permanent avec les Tuyas. Les Tuyas, c'est pas très écolo, hein, parce que les Tuyas, c'est ce qu'on appelle le béton vert. Oui, mais ils parlent beaucoup. Enfin, moi, je les entends beaucoup. Ouais. J'ai des meilleures plantes à vous proposer pour votre jardin. Venez me voir après. On en discute. J'ai créé un verger pédagogique dans ma ville, le Longjumeau, formidable, avec l'association des croqueurs de pommes. On a des variétés de fruitiers anciennes, oui, entièrement cultivées en bio. D'accord. Et on donne des cours de taille. Et puis, on a mis des ruches avec des abeilles, des ruches municipales, avec des abeilles municipales, et elles nous font du miel. On donne des petits pots aux jeunes mariés et des petits pots pour les parents qui ont eu des naissances. Et donc pour les célibataires, si vous voulez vous marier à Longjumeau et venir faire des enfants à Longjumeau, vous avez un petit pot de miel. Super. Je pense que tout le monde va déménager. Allons tous faire des enfants à Longjumeau. J'avais quand même une petite question. On vous écoute, Sophie.
Oui, Foin. Sophie, je crois que c'est Arles. Excusez-moi. Donc, vous avez fait Polytechnique. Votre frère est PDG d'une grande entreprise. Votre sœur est ingénieure. Vous avez un petit frère qui est étudiant en chimie dans une grande école. Est-ce que pour rassurer les Français, vous n'auriez pas un cousin chômeur, par exemple, ou RMI? Ça nous rassurerait un peu sur les possibilités. Merci. Moi, j'ai une famille très variée, mais pour répondre à Sophie Foin, qui est proche de la terre, j'ai même des cousins qui sont agriculteurs, et ils sont agriculteurs dans le bio, dans le Morvan, qui est une terre pas facile, oui, parce que c'est une terre assez pauvre. Et là où, dans la Beauce, on fait 120 quintaux de blé à l'hectare, dans le Morvan, même quand vous n'êtes pas en bio, vous faites 60-70, donc quand vous êtes en bio, vous faites moins. Mais c'est une belle... C'est bien agriculteur aussi, hein, c'est sympa. Bah, agriculteur en bio, ouais, dans le Morvan, c'est bien, c'est un très beau pays. Ça vous rassure un petit peu, Sophie ? Oui, oui, je suis rassurée, là, ça va mieux. Bon, bah, merci, oui, merci d'avoir répondu à notre panel. Je crois maintenant qu'il est temps de... Je trouve que je m'en aille. Non, au contraire. On aimerait bien vous garder encore un petit peu. Simplement, finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes sur ce plateau. Donc notre prochaine invitée n'enlève jamais son chapeau et pourtant, personne ne trouve ça mal poli. Bien au contraire, je vous demande d'accueillir une des représentantes du savoir-vivre à la française, Geneviève de Fontenay. Vraiment. Installez-vous, Geneviève. Je vous laisse vous installer. Très bien, c'est très confortable. C'est très confortable. On a pensé au confort de nos invités. Bah, c'est réussi. Il y a des plateaux, il y a des tabourets. Ah oui, on a mal aux... Vous avez pas mal aux fesses, non, ça va? Alors il faut leur mettre des coussins la prochaine fois. Ça, c'est très démagogique ce que vous venez de faire, Geneviève. Là, vous vous les mettez dans la poche. C'est trop facile. Non, mais non, il faut toujours voir le confort. Non, mais franchement, vous voulez leur mettre des coussins, mais finalement, ils ne le méritent pas. Mais vous trouvez... Vous trouverez un sponsor. Ça, on compte sur vous. On avait un petit défi pour vous, Madame Coxus-Comorizé. Oui. Bon, je pense que vous êtes partie, là, tout de suite. Non, non, pas du tout. Je vous écoute. Si. Je regardais le public. Vous avez raison, il est très beau. Parce que vous vous occupez certes d'économie numérique, mais on voudrait vous proposer un petit tri sélectif en direct sur ce plateau. Oui. Donc vous allez venir avec moi si vous le voulez bien. On va s'installer et je vais vous donner des objets et vous me direz si vous les mettez dans les produits recyclables ou dans les produits toxiques. Alors bon, évidemment, c'est au sens figuré. Hein, ce que nous voulons savoir, si pour vous, ces produits méritent d'être conservés ou tout simplement éliminés de la planète. Allons-y. D'accord ? On va se mettre en place, si vous voulez bien me suivre. Donc, il y a deux poubelles que je me... Non, tombez pas qu'il n'y ait pas d'accident. Hein. Poubelle recyclable, poubelle toxique. D'accord. Mais c'est toxique sur quelle base? Chimique C'est vraiment recyclable, sens figuré. Recyclable, c'est pas le contraire de toxique. Hein. Oui, c'est vraiment... en gros, c'est ce que vous gardez, ce que vous mettez à la poubelle. C'est d'accord. Vraiment au sens figuré. Ah, c'est pas toxique, c'est ce qu'on jette. Non, on va pas rentrer dans la technique. Hein. Donc, premier, que je ne me trompe pas, un téléphone portable très girly, hein, avec possibilité de recevoir la télévision dessus. Alors, je vais vous dire, là, je le jette. Pourquoi je le jette? Parce que ça, il est packagé pour les enfants. Et je trouve que pour les jeunes enfants, le téléphone portable, c'est pas indispensable. Je suis tout à fait d'accord. Alors, deuxième objet, le livre sur Rachida Dati. Toxique, pas toxique? Toxique, je le jette. J'ai trouvé pas sympa du tout ce livre. Et je l'ai dit au journaliste qui l'a écrit. Oh. Mais, oui, bah quand même. Alors, est-ce que... maintenant, le disque de Carla Bruni, le dernier, je crois qu'il vous a été offert en Conseil des ministres. Alors, pas de langue de bois. Comme vous l'avez eu, si vous ne l'écoutez pas, il faut le jeter. Si vous l'écoutez régulièrement, vous le gardez. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup dedans, qui est... Il n'y en a qu'une? Non, mais une que je préfère aux autres. Attends.
Bah, visiblement, non, c'est la tienne, c'est la sixième. Et sinon, moi, j'étais comme Lara Fabian tout à l'heure, j'aime beaucoup, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit. Mais c'est l'autre CD, c'est pas celui-là. Donc là, c'est en quoi? C'est en recyclable, donc vous le gardez pour vous? Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Très bien. Enfin, elle n'est pas propre, votre poubelle. Comment? Elle n'est pas propre, votre poubelle. Julie. Bah oui, Julie, j'ai pas eu le temps, Jean-Luc. Il y a deux gobelets en plastique tout à fait non recyclables dans le fond de votre poubelle recyclable. Vous pouvez me taper si vous voulez, vous avez le droit. Non, j'ose pas. Bon, d'accord. La tunique, elle qui a été recyclée, enfin, puisqu'elle a déjà été portée une fois par Ségolène Royal au Zénith. Elle était plus longue que celle de Ségolène Royal, parce que là, on aurait vraiment vu ses cuisses. Hein. Non, mais on l'a lavée, et donc elle a rétréci. Elle a rétréci, donc là, c'est aussi surtout le relooking en politique. Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je suis pas très pour, mais moi, je suis pas trop pour les trucs artificiels, en fait. Je trouve que, je vais vous dire, je trouve qu'en politique, on est sur les spotlights, et quand on n'est pas complètement soi-même, de toute façon, il y a un moment où ça se sent et où on devient complètement dissonant. Les gens le sentent un peu obscurément, sans savoir exactement ce qui va pas, mais ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Donc, de toute façon, on a intérêt à être soi-même parce que ceux qui essayent d'avoir une image construite, ça finit toujours par être éventé. Est-ce que vous pouvez vous mettre juste entre les deux poubelles si ça ne vous dérange pas, parce que comme ça, qu'on voit bien ce qui est toxique, ce qui est recyclable. D'accord. Attention, là c'est un terrain miné. C'est un terrain miné. Une écharpe de Miss. Ah, vous préviens, je ne viens de remonter. Oh non, pas du tout. Alors ça, c'est vous êtes pour, vous êtes contre? C'est ni toxique ni recyclable. C'est un hommage et un cadeau à Geneviève qui les remet. En tous les cas, vous auriez fait une belle Miss France. Magnifique. On voit que vous faites de la politique quand même, hein. Alors, deux portefeuilles. N'empêche. Ouais. Alors, c'est deux portefeuilles de ministres, puisque c'est Christine Albanel et Bernard Laporte. Donc ça, je vous dis tout de suite, hein, visiblement, Nicolas Sarkozy l'a mis plutôt dans le toxique. Donc vous les mettez où? Non, mais écoutez, attendez, moi, je les aime bien, et c'est des collègues, je n'irai jamais mettre dans aucune poubelle, d'ailleurs. Non, mais si vous les mettez dans Recyclable, il va falloir les accueillir chez vous. Mais ma porte leur est ouverte, et je continuerai à les voir. Et pour finir, une radio du foie de Jean-Louis Borloo. Je vais vous dire, ce genre de produit-là est extrêmement polluant. Et maintenant, avec le numérique, on n'a plus besoin de les sortir sur papier. C'était polluant, on peut les voir juste sur l'écran. Donc, mais qu'est-ce qui est très polluant, le foie de Jean-Louis Borloo ou la radio? Je ne comprends pas. Je vous parle de la radio et du papier. D'accord. J'ai pas d'opinion sur le foie de Jean-Louis Borloo que je n'ai pas disséqué. Que je n'ai pas disséqué. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lara, malheureusement, vous devez nous quitter. On rappelle que l'album « Toutes les femmes en moi » est en vente. On vous le conseille, vraiment. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous, merci. Prendre le temps de discuter avec vous. Ça va être très vite et après on vous dit au revoir. Elle est irremplaçable. Merci à Geneviève. Jean-Marc aussi. À Jean-Marc Morandini, à tous nos invités, au public. Merci au public. Merci au panel. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à nous. Merci Julie. Allez, embrassons-nous. Et puis on ne peut pas se quitter comme ça. On ne se quitte pas comme ça. Non. On ne se quitte pas comme ça, puisqu'on a la chance, pour finir l'émission, de retrouver Lara Fabian qui va nous chanter Soleil, Soleil. À bientôt. Sera moins gris, il me tendra les bras un jour comme un ami, il nous reviendra, mais je veux.
Soleil, 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 so